Et puis il y a ceux qui ont envoyé les messages tout au long de cette semaine. Ah oui. Voici nos pervers cette semaine. À toi de choisir, Pamela. Puis on les appelle dans un instant. Il faudra en séduire un. Avant minuit. Attention, on commence par le premier sur le répondeur. Bonjour mesdames, mec mignon et sympa de 45 ans. Attendez, il faut mettre du son là, mets du son. Ouais. Bonjour mesdames, mec mignon et sympa de 45 ans. Vous attend au 06 61 79. Pour une discussion téléphonique très intime ou très chaude, ou rencontre en toute discrétion, que je suis dans le nord de la région. Je vous attends, mesdames nombreuses. Bonjour madame. C'est pas mal, ça. Madame. Ouais, bon, ça va, il est bon. Pas alors sympathique lui. Ouais. Non, on dirait qu'il passe une petite annonce. Ouais, exactement. Ouais, ça, ouais. Qu'il a écrit le truc. Voilà. Bonjour madame. Merci pour ce message. Je le mets de côté. Il y en a un autre. C'est qui? C'est aussi ce côté que tu trouves les œufs. Soumise Wolfort, 57 ans, pour une femme enculeuse. Pour une femme enculeuse. Mais ça, ce sera avec plaisir. Ça, c'est original. C'est sur ton CV ou pas? Oui, bah, bien sûr. Pour une femme enculeuse. Pas même ça. Ah, ben pourquoi pas enculer le mec si ça lui fait plaisir? Suffit de demander. T'es open. Ça y est, Marie, tu répondrais à une annonce comme ça? Ah non. Non, tu réponds pas. Ah non, mais déjà, les annonces, c'est pas trop mon truc, moi. Toi, t'aimes bien jouer avec les anus. Ouais, mais non, mais je préfère rencontrer directement, tu vois. Mais pourquoi, Marie, tu fais pas un OnlyFan avec ton mucus? Mais ça. Avec mon mucus? Bah, tu viendras faire un mucus. Tu l'appelles M comme Marie, M comme mucus. Ouais, ouais. Et je te mettrai. Tu l'appelles mucus ou perruque et tu te démerderas. Mucus World. Mucus ouais. World. Ouais. Non, mais tu cartonnerais, Marie, en vrai. Ah, sûr. Bah, c'est sûr. On te malade. Tu veux pas qu'on te fasse travailler? Oui, mais bien sûr, ouais. Romano, c'est un macro. En plus. Ouais, t'es embossé, Marie. C'est le premier abonné à M comme mucus. Ah, moi, je paye le prix fort. Attends. Bon, un autre. Marc, homme, 30 ans, bien foutu, sexe et père, recherche femme de 50 à 65 ans pour un plan cul sans tabou. Je suis mobile et peux recevoir sur le département 71. Vous pourrez me contacter au 07 80. Eh ben voilà, Romano, tu connais pas des dames de 60 ans dans le 71? Ah si, à ma mère. Eh ben voilà, très bien, parfait. Ah non, horrible. Un peu plus vieille, mais bon, ça passe. C'est conservé. Donc il a 30 ans, lui. Bon, on le met de côté. Bon, faudrait que t'es un peu plus vieille, Pamela. Parfait. Non, y a pas de problème. À la suite. Permis, passé, fait exprès, pour recevoir aujourd'hui ou demain pour un bon plan cul au 06. Pamela est une femme, mais c'est trompé. Bah oui. Bah si, je peux m'arranger. Ouais, bah un bon plan cul, ouais. Mais tu m'habites dans le cul. Ouais, bah, qui d'autre? Je recherche une femme coquine et qui me laisse son numéro de téléphone. Ah bah c'est pas con ça, tiens. C'est mieux ça. Je suis chaud ce soir. Il est chaud. Il est angoissant là. Je suis chaud bouillant. Et c'est mon préféré. Ça. Ou même en coupe. Il n'y a pas de soucis. En coupe. En coupe. Coupe de cheveux. Oui. En coupe de glace. Oulala. Oui, je joue. Il fait flipper. On l'attendait pas. Là. Je joue. Lui, il fait vrai. Lui, ah, il est dégueulasse. Non, mais lui, il est angoissant. Celui qui faut appeler, c'est mon. Mais il n'a pas laissé son numéro. C'est vrai qu'il était. Ah ouais. Ah, dommage. Avec le message, il est angoissant. Il a oublié son numéro. Il est con, oui. Non, mais il a plus de numéro, il est en tôle. Il a enfermé le gars. Le mec a été mis hors d'état de nuit. Il est enfermé. Dommage. Ah non, mais le mec, il fait flipper, lui. Ouais, il est super, lui. Il est chaud. Je recherche une femme coquine. Un coquine. Et qui me laisse son numéro de téléphone. Il est de téléphone. Je suis chaud ce soir. Il est chaud. J'ai cru de voir sa gueule, moi. Je suis chaud bouillant. Ah, il est chaud bouillant. Chaud bouillant. Ou même en coupe. Mais en coupe. Il n'y a pas de souci. Attention, le meilleur pour la fin. Le mec est en train de se branler, en train de laisser un message. Lui, c'est vraiment le pire, lui. Non, en fait, c'est synchro son message. T'as vu, c'est pas trop long, il gicle au bon moment. Non, mais moi, il me fait très peur. Beaucoup de travail de technique. Il est très, très angoissant. Moi, c'est mon préféré. Oh là, je l'aime. Je l'aime. Il m'excite. C'est parti pour la suite. 06-49-01. T'aimes faire l'amour sans tabou, tu reçois. T'en envie. Ah non, mais lui, c'est... Ouais, on croit juste qu'il est un peu spécial, aussi. Mais... Bon, le tout dernier. Oh, dans quel état il est? Christelle, dans le 77. Christelle. J'ai bien entendu. Christelle. Je remets quand même, je crois qu'il s'appelle Christelle. Christelle, dans le 77. Christelle. 06-77. Christelle. Oh là, c'est ma meuf. Bonne soirée entre copines. Oh, bisous. Un salope. C'est ma fiancée. Non. Qu'est-ce que tu fais? Pas là du tout, non. Oh, pourquoi t'es sur le téléphone? Bah, lui, il va bien. Bah, ton ex dit foot, mais moi, non. Christelle, t'imagines? Soirée entre copines. Ah ouais, putain. C'est bon, elle va être ta copine, Christelle, ah, pourquoi pas? J'aime bien Christelle. On a des points communs. Bah oui. Bah grave. C'est ce que j'ai dit. Il y a Lou qui est très inquiète. Lou, 27 ans, qui nous dit, mais
on vit entouré de timbrés quand on entend ça. Ah bah ça, il y en a un paquet. Hein. Ah, là, on va dire qu'ils ont des fantasmes un peu. Après, c'est des gens qu'on croise dans la rue, hein, ça. Hein. Oui, bah j'espère pas trop. Bah si, mais si, ils sont des gens normaux, tu vois. Normaux. Normaux, voilà. Bon, alors, on y va. Alors, on appelle qui? Allez-y, moi je suis prêt. Allez, vas-y, c'est parti. On a qui? Je te fais Nabil et sa grosse bite en premier. Ah, Nabil et sa grosse. T'es chaude, Pam? Yann, il y en a pas. Allô? Allô, Nabil? Ouais. Ah, t'es en train de te branler. T'as dit quoi? T'es en train de te branler? Non. Ah. T'as une belle queue? Ça va, oh, toi? Ouais, je me couche. Tu te couches? Okay. Pourquoi tu te couches? Tu te couches parce que j'ai fait un long voyage. T'as fait un long voyage? Ouais, je suis fatigué. Mais tu veux pas te branler, là? Non, je suis vraiment trop crevé. Oh, bah allez, vas-y. Ah, c'est dommage, tu nous as excités. Bah ouais. Nous, on aimerait bien se bouffer la chatte en t'écoutant te branler. Ouais, c'est pas possible. En plus, j'ai ma copine, elle fait beaucoup de mucus. Ça t'excite? Ah, c'est sympa. Non, mais c'est le mucus, elle mouille du cul, elle fait du mucus. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Mucus. C'est gentil. Je muque. Quel dommage. Ouais, dommage, je me prochaine fois. Dis-lui, ma chérie, que t'es en train de muquer. Pourquoi tu veux pas le dire? Ah, bah, dis-lui, toi. Bah, je lui ai dit que tu muquais très fort. Elle muque. Allez, Nabil. Non, sérieux, je suis mort. Mais c'est chelou, t'as le nombril au milieu du torse. Il est vachement haut. Ouais, non, j'ai pas de nombril au milieu du torse. Ouais, c'est vrai, il est haut. Hein. En tout cas, t'as une très belle queue. Merci. Bah ouais, j'suis tu nous excites. Oh, Maryse, arrête, t'es en train de muquer partout, il y en a partout. Bon, Nabil, tu te branles un peu ou pas? Non, sérieux, je suis fatigué. En fait, je me dis. Ah, tu t'es déjà branlé, là t'es vide. Bah, on peut te rappeler la semaine prochaine, peut-être. Bah, ouais, si vous voulez, pourquoi pas. Ah, super. Ah, avec plaisir, vas-y. Allez. Maryse. Comme ça, on s'éclate ensemble. Maryse, tu gardes un peu de mucus pour la semaine pro? Bah, c'est toi, tu gardes. Ah, bah, dans une petite fiole. Bah, bien sûr. Eh bien, à la semaine prochaine, Nabil. Bisous. Allez, bonne nuit. Ah, il s'est vidé, c'est pour ça. Ah, il était à plat. Il est OK pour la semaine prochaine. Ouais, c'est pas possible. Bon, là, on est arrivé un peu trop tard. Ouais. Ah, il était à plat. Donc, on le met de côté, le mec s'est déjà vidé. Ouais, je suis fatigué, je vais dormir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil, c'est Yann? Bonsoir, c'est Yann. Ouais, je t'entends pas bien, Yann. Ah, je t'entends plus du tout. Il s'est même barré, tu vois. Après, c'est vrai, Yann. Vas-y, rappelle-le. C'est la voix de Pamela. C'est le mec qui a des sourcils, mais c'est vrai qu'il a des sourcils énormes. Mais t'as vu, c'est un truc de ouf. Il faut la moitié du front. C'est un truc de ouf. C'est du bonjour, ah. Vous êtes sur la messagerie du 06. J'ai testé du sang, il a également un poireau sur le nez avec un poil dessus. Exact. C'est lui. Il est poireauté. Il est poireauté. Alors, on a qui d'autre? Il s'appelle Kayente dans son bain. Ah. Ses jambes dégueulasses. L'homme du bain. C'est lui. Faut vraiment avoir aucun goût pour envoyer ce genre de photos. Ah non, c'est bon. Qui n'a aucun intérêt. Ah non, c'est grave, c'est moche. Abominable. À part être répugnant. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ce message. Tu as des très vilaines jambes et des très vilains mollets. Et ne parlons pas des pieds. Allô? Salut. Salut toi. Ça va? Shadow. C'est Shadow? Oui, c'est ça. Ah, j'ai envie de me caresser, Shadow. C'est vrai? Oui. Mais j'avoue que ta photo me donnait très envie de me prendre à tes caresses. Ah. T'es comment, là, toi? Là, je suis allongé sur mon lit. T'as pas... En boxeur. Bah, il faut l'enlever. Bah, tu as raison. Bah, tu pourrais le faire. Tu pourrais venir me l'enlever. Ah, ouais? Mmh. Bah, enlève-le tout seul, déjà. Ouais, je t'écoute et je m'exécute. Et toi, tu es comment? Ah, moi je suis en nuisette et sans culotte. En nuisette et sans culotte? La nuisette que tu m'as montrée? Ah, elle est vraiment super, cette nuisette. Ah ouais. Ah, et je suis en train de mouiller un petit peu sur mes draps. C'est vrai?
en écoutant. Et tu penses à quoi? À toi, à toi et à ta queue. Non, c'est vrai. Ah ouais. Moi, je pense à tes seins, c'est ton joli décolleté. Il me donne très envie de le sentir de plus près. Oh, j'ai envie que tu bandes. Et plus je pense à tes seins, plus je bande dans la ramerie. Ah, pas bien dans le téléphone, je t'entends mal. Ah. Je parle dans mon téléphone, mais j'ai un écho qui est assez énorme. Ouais. Tu es sur haut-parleur, quoi? Ah non, pas du tout, moi, là, je suis sur mon téléphone. D'accord. Ah. Et tu faisais quoi alors ce soir? Toute seule chez toi? Bah là, je me mettais des doigts dans la chatte. Bah, c'est dommage qu'il y ait juste les tiens. Pour y avoir ma langue aussi. Bah écoute, avec plaisir, bouffe-moi la touffe. T'es un peu loin pour ça. Mais ça serait avec plaisir. Ah, il faut que tu te branles là. C'est ta queue. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que je fasse? Ah, j'aimerais que tu me bourres le cul. Non, t'as un joli cul. Hein? Est-ce que tu as un joli cul? Ah ouais, j'ai un anus qui m'y... qui muque. Ah, il est muque. J'ai du mucus anal. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai du mucus anal. D'accord, charmant. Okay. En gros, je mouille du cul. J'ai compris. Ouais. Je suis mucus. Ok, et qu'est-ce que tu aimes, dis-moi? J'aime me faire bourrer le cul. D'accord, et à part ça? Me faire bourrer la chatte et me faire bourrer la bouche. D'accord, tu sais bien? J'adore les gauches profondes. Ah, c'est intéressant ça. Quand ça tape bien au fond et que... je suis à deux doigts de vomir. D'accord. Ok. Tu aimes bien, toi? Non, pas forcément. Enfin, j'aime bien les gorges profondes, mais pas forcément sentir qu'elle va vomir. Non, mais je vomis pas, hein, mais... j'aime bien, tu sais, quand ça me tape dans la luette. D'accord. Ok, très bien. Tu bandes? Non, pas vraiment. Tu vois bien. Ah, toi, tu aimes quoi? J'aime m'occuper d'une jolie poitrine, ça j'aime bien. Ouais, mais au niveau des patriques sexuelles. Ça dépend des jours. Tu aimes le mucus anal? Non, pas vraiment. Je muque. Le quoi? Je muque. Tu muques? Ah, d'accord. C'est charmant, dis donc. Ok. Bah, écoute, je vais te laisser muquer, je crois. Hein? Ce sera plus simple. Ok. Oh, je muque. Bon, bah écoute... mucu bien, hein, et bonne soirée. Ah, oh, j'ai l'impression que tu es choqué. Non, non, ça, c'est rien. Hein. Bon, allez, amuse-toi bien. Eh ben, je t'embrasse. D'accord. Bisous. Mais qui t'es outré. Toi, t'as réussi à écœurer un pervers. Ah, ouais, faut y aller, quoi. Ah, faut y aller, ouais. Le mec était au bout de sa vie, quoi. Ah, vraiment, il a plus ouais, bon, ouais, c'est vrai que. Bon, ben, je vais y aller. Voilà, bah, écoute, tu l'as dégoûté. Ah, putain de merde. Ah, j'ai bien que c'était un pauvre. Ah ouais. Ah ouais, le mec, il bourrait le cul. Ah oui, bourrer le cul. T'as y a une porte qui s'est fait flasher sur le périph', très bon qu'il était mort de rire, elle a pas fait gaffe. Ah merde, envoie la facture à Romano. Ah, non, non, mais c'est bon. Moi j'ai plus de voiture, donc je n'essaie pas de me faire flasher. Ah bah ça, c'est sûr. On a fini? Comme tu veux, il y en a d'autres, hein, comme tu veux. Bon, comme vous voulez. Allez, en speed. Vas-y. Faisons juste. Allez, en speed. Pas mes chaudes. Lui, il kiffe les pieds. BG pour femme, ah, joli pied. Et l'autre, c'était quoi? Et l'autre, c'était Shadow, il s'appelait celui-là. Ah, Shadow, c'est super. Allô? Oui, allô, c'est Pamela, l'appareil. Ah ouais. Bonsoir, Pamela, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille.
t'aimes les pieds? Allô? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu aimes les pieds? Oh ouais, t'es un gars. Ah non, pas du tout. Oh bah si. Ah bah non, je suis pas un gars, non. Et alors, si je suis un gars, j'ai des pieds aussi, hein. Il a accroché, c'est pareil. Voilà, Pamela est un homme. Voilà, c'est la plus belle des nouvelles. La plus belle nouvelle de la semaine. Voilà, je la ramène chez elle. Ah non, non, non. Tu vas chercher quelqu'un pour te ramener. Non, non, elle va rentrer toute seule, t'inquiète. Bon, bah voilà, c'était super. Ouais, bonne sélection. Vive Shadow, en tout cas, Shadow. Ah ouais, ouais, il était exceptionnel. Et garde Nabil pour la semaine prochaine. Ah oui, ah, Nabil, ouais, c'est vrai. Lui, c'était vidé, on va le rappeler. Ouais, c'était vidé. Il sera plein. Il va se remplir pour la semaine prochaine. Bon, on revient en direct lundi matin dès 6h sur Skyrock. Ne loupez pas le rendez-vous. Il y a un voyage de New York à gagner.